Salut tout le monde, c'est TheFragHD. Comment allez-vous les gens? Moi je vais super bien. J'ai la grande forme, je dis que j'ai la grande forme, mais c'est encore la suite pour ceux qui commencent à suivre un petit peu toutes mes séries. Bah, c'est la suite de ces petits concepts que j'ai lancés pendant que je suis parti en vacances 2 semaines, 15 jours. Je vous propose une vidéo tous les 3 jours, c'est-à-dire 5 vidéos pour que ça soit équivalent au temps que je parte en Bon, vacances, c'est que je pars sûr. en vacances. J'aimerais bien voter. Bah, on va encore avoir lockdown. Ça fait beaucoup quand même, beaucoup de fois lockdown sur ce live, sur tous ces lives. Bon, c'est vrai que ça fait 3 jours. Hein. C'est vrai que là, moi, je les enchaîne dans la soirée, hein, tous ces lives. Mais c'est vrai que ça fait quand même tous les 3 jours, vous avez une vidéo. Donc lockdown tous les 3 jours, c'est pas très gênant, j'ai envie de dire. Voilà. Donc allez, c'est parti, lockdown. Là, il est plus de 4h30 du matin. Pour ceux qui n'auraient pas compris, en fait, je propose des vidéos. Je propose une série en live, 5 vidéos. Fusil. J'ai commencé fusil de précision. Après, j'ai fait fusil mitrailleur. J'ai fait fusil à pompe. Fusil d'assaut et je termine par mitraillette. Donc là, c'est mon dernier live avant que je sois de retour à vous proposer, enfin de retour de vacances pour vous proposer une nouvelle vidéo avec, je pense, plus de forme parce que là, je suis juste littéralement mort. Je suis fatigué, c'est la fatigue, mais le plaisir, il est toujours présent. Je peux vous l'assurer, les gars ou les filles, s'il y a des filles qui regardent aussi mes vidéos. Donc allez, c'est parti, lockdown à la MP7. Toujours pas de sujet à évoquer, j'enchaîne ça cette soirée. S'il y en a qui n'ont pas compris en fait pourquoi je parle, je dis que j'ai déjà fait ça, enfin qu'ils sont pas au courant de tout ce qui se passe. N'allez pas voir la description, parce que la description, je sais même pas si j'aurai le temps d'en mettre la masse, franchement. Je vais essayer de faire rapide, mais demandez à des mecs qui suivent mes vidéos régulièrement. Ils vous expliqueront que en fait je fais ça, tous ces lives pendant une soirée. Et que je vais les uploader à intervalles réguliers, une tous les 3 jours, pendant que je serai parti en vacances 2 semaines. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple qu'il n'y a aucune personne. Enfin, je vois personne pour l'instant. Ouais, père. Non, putain, le cut de NW3, c'est un réflexe. Ceux qui ont le réflexe maintenant de cutter, c'est des PGM sur jeu, c'est tout. Point à la ligne. Je joue. Ah oui, il faut savoir que je joue à l'MP5. Je pourrais très bien jouer avec mitrailleur. Mitraillette, je veux dire. Je pourrais très bien pas me faire chier. Hein. Et puis vous proposer un gameplay à la MP7. Voilà, je me bats vraiment pour vous proposer des vidéos avec le plus, on va dire, d'originalité possible. Mais putain, qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'elle fait là, cette Samtech? Voilà, c'est-à-dire que je vais pas vous proposer un truc à la MP7. Je vais aller chercher une arme un petit peu plus difficile d'utilisation. Qui est tout simplement la MP5. J'ai envie d'aller chercher la plaque, je vais mourir. Même pas, trop d'art. Ok. On va aller. Putain, j'ai plus la forme que la partie d'avant que j'avais fait. Bah, c'était avec le CM901. Je suis chaud. Ok, je me cache derrière ça juste 2 secondes parce que. Putain, faudrait qu'il y ait des mecs. C'est un truc de campeur ça. Ceux qui font ça, je déteste. Donc je vais bouger mon cul un peu. J'ai plus de munitions dans la MP7, j'ai pas pris pillard. Je vais terminer ça à la P90. Est-ce que la P4... Bah la P90 en plus, je crois que c'est une mitraillette. Bah oui, c'est une mitraillette, donc c'est parfait. Oh, c'est génial. C'est comme quoi le pur hasard. Franchement, c'est pas mal. Je voulais vous proposer un épisode avec mitraillette. J'aurais bien pris la P90, vous voyez, si je l'avais débloqué. Sachant que je suis toujours le même prestige, j'ai toujours rien débloqué. C'est... Oh merde, j'aurais pu avoir l'hélico, j'ai fait chier, j'ai merdé. 7 kills, 3 morts. Je peux rien faire sur cette map. La map la plus chiante pour jouer en assaut. Par derrière. J'ai pas capté le spawn. C'est pas grave, là on est en train de perdre. Je vous ai proposé sur... pour l'instant sur 4 vidéos, je vous ai proposé une victoire, 3 défaites. C'est vraiment... Minam de ma part, c'est pour ça que je suis parti en EC, parce qu'en domination j'arrive pas à jouer assez les objectifs. J'ai des difficultés à jouer les objectifs en demi. Et putain, je suis déchaîné, il est même peut-être 4h30, 5h du matin, mais j'arrive quand même à te faire des vieux sauts, des drop shots, je me fais quand même tuer, mais. Pas grave, j'ai la forme. J'ai la forme. J'ai pas la forme, je suis fatigué, mais je veux pas que vous le ressentez la fatigue dans mes vidéos et tout ça. Il faut prendre les plaques, les gars. Ah, la tourelle! Elle a décidé de nous faire chier. Il a bien placé. Bien joué à toi. Bien joué à toi! C'est trop rare de voir un youtubeur, tu sais, enfin, ou une personne qui dit bien joué, qui insulte pas. Ça, c'est. Enfin. C'est un réflexe. Moi, je fais l'effort dans mes vidéos pour pas que.
C'est oui pour pas que les abonnés mes abonnés aient une mauvaise vision de moi, enfin un mec qui insulte ce qui est faux, enfin je suis vraiment rarement sauf si vraiment les mecs ils sont à camper FMG9 à Kimbo, ils vous attendent aux portes et tout ça, je pense c'est le réflexe. Tout joueur code normalement constitué serait en train de rager. Oh putain, je sais qu'il y a la tourelle derrière, je crois, si je me trompe pas. Allez, je vais passer là. Oh, ça bug! Oh, je bug! Oh, la vidéo, elle va être courte. Oh, la vidéo, elle va être courte. Au pire, je repars en petit MME si j'ai la foi. Ok, c'est parti. Vas-y, je pars en petit MME. Attends, je vais repersonnaliser rapidement ma classe. J'ai la foi. Putain, j'aurais pu m'arrêter, dire, allez, de toute façon, je suis fatigué. Mais non, le mec, il est fou. Il va quand même vous proposer encore une autre partie de match à mort par équipe. Franchement, le match à mort par équipe, c'est rapide. Ça peut vraiment durer moins de 4-5 minutes. Franchement, si je la fais rapidement, si je rush un bon coup et que je prends les plaques, vu que c'est toujours de l'élimination confirmée. Ok, allez, c'est parti, c'est parti. Allez, envoie une partie. Évite de passer une heure avant de me trouver la partie, sinon ça va m'énerver. Donc, ok. Bon, de toute façon. Oh non, merde, on est arrivé dans un interchange. La map qui bug, regardez, attention, je vous admire, voilà. Pour ceux qui me demandaient pourquoi tu ne peux pas jouer sur Interchange, je suis à, on va dire, un cinquième du chargement et ça bug. Le jeu fait en sorte que je ne dois pas continuer le live. Est-ce que j'ai la foi de continuer ou est-ce que j'ai pas la foi de continuer? Je suis en train de réfléchir à l'upload, je suis en train de réfléchir à ma fatigue. Et là, sur le moment, j'aurais envie d'arrêter le live, mais je sens mes abonnés qui font non, s'il te plaît, continue, continue. Putain, qu'est-ce que je fais? J'ai écran noir, vous buguez comme moi, vous m'entendez tout reparler, mais là, on a un énorme bug du jeu. Donc voilà, disque error. Ok, c'est parti. Bon, je dois me connecter au service en ligne. Je sais qu'il y a la pomme 3GS que je remercie. C'est mis en muet sur Skype pour que je puisse commenter. Il en a marre, il a envie de se coucher. Il est genre Florian, mais va te faire enculer parce que putain, moi j'ai envie de dormir et moi aussi j'ai envie de dormir. Pourquoi tu vas continuer à faire ce live? Pourquoi je le continue? Tout simplement parce que ça me fait plaisir. Si je retombe sur Interchange, je me couche, on rigole un bon coup, et puis après je dors. Parce que franchement, je vous avoue, je suis super fatigué. Quand je rentrerai en bonne forme. Franchement, dites-moi ce que vous pensez de cette série. Essayez de lâcher un like à chaque série, ça me fera plaisir. Bon, je l'ai pas dit dans les autres vidéos, mais c'est pas ce qui m'importe, les j'aime ou quoi que ce soit. C'est que vous preniez un plaisir à regarder les vidéos. Voilà. Ceux qui aiment une vidéo, je pense que de toute façon, ils ont le réflexe de mettre un j'aime. Et franchement, on a la chance. Match à mort par équipe sur Dôme à la MP5 avec une mitraillette. C'est parfait, puisque il faut être à bout portant. C'est pareil pour les fusils à pompe aussi, c'est d'art. C'est d'art. Pourquoi je dis c'est d'art? C'est bien, c'est. Je sais pas, ça c'est un truc de. Je sais pas, c'est une habitude. Ok, bon. Allez, je suis chaud. Il est quelle heure? Il est 4. Non, ouais, 4h, ouais, dans les environs de 4h45, 50, un truc comme ça. Il est. On est presque à 8 minutes de vidéo et je vous propose encore. Et je continue encore live et je commence tout simplement une partie de match à mort par équipe sur la map Dome. Ok, allez, c'est parti, Flo. Ils vont, je sais pas par où ils vont partir. Ah, il y en a un par là-bas. Fils de lapin israélien, j'ai fait tout le tour pour rien. Façon, allez, faut que je bouge mon cul. Faut rusher sur cette map. Oh, il m'a pas vu. Oh oui! Oh là là, je suis dans la merde là! Je vais me faire tuer, je vais me faire tuer, je le sens. La voiture rush! Oh! Oh, c'est bien, une MP, c'est une mitraillette, c'est bien. Ça, je pourrais. Ok, je suis chaud, je suis chaud, je suis chaud. Oh non! Oh mon dieu! Mais je vous ai pas proposé. Je suis en train de me poser une question. Ah oui, c'est ça. J'étais genre, mais je vous ai pas proposé un gameplay sur Lockdown à la MP5. Pourquoi je recommence et tout ça? J'étais en train de me dire ça, mais c'est vrai que j'ai buggé. Oh, j'ai buggé à la fin. Là, la vidéo, elle va être longue. Elle est bien pour vous. De toute façon, vous avez l'habitude à une vidéo tous les 2 jours. Donc, j'ai envie de vous dire une vidéo tous les 3 jours si elles sont un peu plus longues que prévu. Ça fait. C'est bien. Bon, là, je me suis fait complètement enculer. Bon, veste balistique. Le gars, il ne mourra pas par ma Semtex. Dommage. Bon, écoute, faut que t'arrêtes de camper, gros. Faut que tu bouges ton cul du dôme, quoi. Désolé d'être vulgaire comme ça. Je commence à être fatigué. Je commence à en avoir marre des campeurs. Je change d'accueil tout le temps. Mais il y a ces putains d'Américains qui font chier le monde. Désolé, j'aime bien les Américains. J'ai rien contre eux. Mais je peux vous dire que je voudrais que là.
Là, ils me font pas plaisir, là. Il faudra peut-être que je le bute un moment, parce que ça va finir par être lourd, quoi. Fais un truc de malade, tu fais quoi? Tu fais quoi ici, concrètement? Concrètement, tu fais quoi? C'est vraiment... j'achève cette partie avec, avec une difficulté vraiment un peu intéressante. Franchement, à cette heure-là, j'arrive encore à, à jouer. Oh, je vais me faire, je vais mourir. Oh là là, putain, il y en avait deux qui sont arrivés. Même si j'avais pris de marqueur sur la première, je me serais fait complètement arracher par la deuxième. Ok. Allez, vas-y, faut bouger, on termine la partie, les gars. Oh putain! Fais chier, enfoiré, 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 enfoiré. Oh mon dieu. Oh bah c'est pas beau tout ça, c'est pas beau, hein. C'est pas beau. Putain, t'es là-bas, toi, t'es vraiment pas beau. Vous êtes pas beau, vous êtes vraiment des enfoirés. Ça, c'est le mot. Ceux qui me diront, bah je le colle en plus, j'ai une moule. Je pense que j'ai droit à cette chance, hein. Vu comment je me fais tuer depuis tout à l'heure, je fais du 10 kills 9 morts. On est à 3 900, il faut quoi absolument qu'on gagne cette putain de partie. Ok, on va la gagner. On va la gagner si je m'applique. Frag, joue ta vie. Qu'est-ce qu'il fait? Il a dû me tuer en dessous de la bagnole, ouais, c'est sûr. Ah, je le savais, je le savais. Je vais quand même revenir là parce que c'est quand même une bonne. Enfin, on a une bonne vision sur toute la map. Enfin, c'est le milieu, de toute façon, vous allez me dire. C'est normal. 5 secondes chance. Oh, excuse-moi, mec, je t'ai pas pu te sauver. Putain, bah, de toute façon. Tu vois, ça te fera rager comme moi j'ai ragé. Oh, alléluia! Je commence par oh. Et je finis par alléluia. C'est pas normal. Ouais, oh le spawn de merde. Ok. Putain, j'étais chaud là. Merde. Putain, j'étais trop chaud. Pourquoi j'ai pas géré la fin là? J'aurais pu faire la triple. Je sais pas si vous avez vu, il y en a 3 qui sont sortis du dôme. Ce que je sais en tout cas, c'est qu'on va avoir la victoire. Je tire, de toute façon je tire encore même s'il est mort. Parce que je viens de comprendre que là il y a quasiment le 3/4 des personnes sont en seconde chance. Ils nous attendent derrière la bagnole, faut pas qu'ils nous enchaînent. On va gagner. Ça va être la victoire pour l'équipe de The Frag HD. Enfin pour l'équipe de The Frag HD, ouais, pour mon équipe quoi. Putain non, comment ils campent. Oh, on assiste au plus gros campeur mondiaux. Dédicace à vous tous. Ils sont tous en veste balistique en plus, donc ils m'empêchent de faire des syntaxes à cross de map. Fait chier. Putain, comment ça campe? Mon dieu, en plus elle a pépé. Vas-y, c'est parti, je fais la kickam. La kickam. Non, encore veste balistique. Je la fais, je la fais, je la fais, je la fais. Oui, kickam de The Frag HD qui fait du 20 kills, 15 morts. Oh my god, ce score de merde. Enfin, c'est toujours en positif. À 5h du matin, j'ai envie de vous dire franchement, c'est pas si mal avec la fatigue où j'ai enchaîné 5 lives dans cette soirée. Vous aurez bah, un live tous les 3 jours, mais moi, il faut quand même que vous compreniez que je les ai enchaînés sur une soirée, c'est live, j'ai commencé à 3h du matin, et j'ai fini à 5h du matin, donc franchement, bah voilà, j'espère que ça vous fera plaisir, vraiment pour le courage que j'ai eu, un petit like me ferait vraiment super plaisir, de toute façon vous faites comme vous voulez, bah moi je reviendrai en forme, ça sera la dernière vidéo bah, pendant que je serai en vacances, après la prochaine vidéo, bah ça sera mon retour, et puis c'était The Frag HD, allez ciao tout le monde, pour le plot je vais en chier pour ces 5 vidéos, mais comme je vous dis, quand on a du plaisir, quand on a l'amour pour quelque chose, et bah ça vaut le coup, allez ciao tout le monde.